Ben, je trouve que en dehors du travail, tu t'habilles toujours juste en petite jupe. En petite jupe? Ouais. Ouais. C'est pas trop pratique pour aller m'entraîner, par exemple. Fait que je suis pas mal sûre que c'est pas juste ça que je porte, là. Mm. Tu vas encore te mettre à parler de tes arts martiaux? Hey! Y a rien de plus formateur pour l'esprit, pour le corps. Y a rien de plus complet, je trouve, comme discipline. Moi, je trouve ça stupide puis inutile, les arts martiaux. Puis si, à un moment donné, il faut que tu te défendes contre un de tes patients, tu vas faire quoi? Moi, je sauve mes patients. J'y combat pas. Si jamais ça m'arrive, je vais me sauver. Puis si tu peux pas? Hey, je t'ai curée de parler tout le temps des arts martiaux, là. Tu parles juste de ça. On peut-tu penser à un autre sujet, peut-être? Hey, tu sais le patient qu'on a transporté hier pour lacération abdominale mineure? Mm-hmm. Le chirurgien, là, il a oublié ce qu'il appelait le dedans. Il a fait une hémorragie interne. C'est important d'être systématique dans ce qu'on fait, c'est pour rien oublier. Tiens, nous, si on s'en tient à l'ABC de l'urgence, on est sûr de rien oublier d'essentiel. Appel à toutes les équipes, on a un 9 Echo 3 à l'hôtel 54. 5 rue du Royal 22e Régiment, un homme de 30 ans en arrêt cardiaque. 54-13, on le prend. On se met en 10-30 immédiatement. Excusez-moi, messieurs. Monsieur, est-ce que vous êtes correct? Attention. Tu sais, est-ce que vous m'entendez? Réagis pas. Il est vraiment inconscient. Oh, je suis live dans la bouche. Live. Il respire pas. Il va falloir le ventiler. Je vais regarder sur un coup. Oh merde, il n'y a pas de flou. Comment c'est le massage? Je vais installer le défibrillateur. C'est bon, je vais devoir couper le chandail. J'aurais peut-être dû faire des arts martiaux finalement. Ah! Ah!